Perçage du béton cellulaire avec un trépan multimaterco. Il vous faudra un trépan multimaterco et un arbre de montage EasyClip, selon le mandrin de votre machine, et un forêt pilote Carburerco 47012EZC. Pour le béton cellulaire, il faut d'abord adapter le forêt pilote de votre arbre de montage. Vous devez retirer le forêt HSS, monté d'origine sur l'arbre, et le remplacer simplement par le forêt pilote à tête carbure, de référence 47012EZC. Avant le perçage avec le trépan, effectuez toujours un pré-perçage à l'aide du forêt pilote. Vous aurez ainsi un trou avec une inclinaison parfaite, droit et bien positionné. Réglez la vitesse de votre machine en fonction du diamètre du trépan et de la matière à percer. Reportez-vous à la notice du trépan ERCO pour déterminer la vitesse appropriée. Retirez la percussion et vérifiez le sens de rotation de la machine. Vous pouvez alors mettre le trépan sur l'arbre. Positionnez le forêt pilote dans le pré-perçage. Faites tourner le trépan avant le contact avec la matière. Entrez en contact avec la matière en dosant l'avance de sorte à toujours faire du copeau. Pour un trépan neuf, respectez la période de rodage en réduisant sensiblement la vitesse et la pression. Les plaquettes carbure meulées confèrent une grande vitesse de travail, une grande durée de vie et un confort de coupe. La carotte s'extrait très facilement à l'aide d'un tournevis.